Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Lundi, le 10 avril 2023, c'est encore un lundi, mais ici en Afrique du Sud, c'est un jour férié. On appelle Boxing Day, c'est le jour où on envelle, donc on ouvre les cartons. Ce n'est pas de la boxe où on va se battre, non. C'est le jour où nous ouvrons nos boxes, le cadeau qui nous a été offert pendant le Pâques. On mange les gâteaux et tout ça, on voit des petits biscuits et tout ça. Donc aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous par contre, c'est encore une semaine en République démocratique du Congo. Nous avions eu un live ce samedi où nous avions parlé de beaucoup de choses. Surtout, nous avions montré comment la République démocratique du Congo pourrait sortir de ce marasme dans lequel il est. Aujourd'hui, nous revenons avec Contact Pro Live parce que nous pensons que l'actualité abondante, Vital Kamerhe est à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des arrestations après les nominations des commandants dans la police et tout ça. L'actualité quand même évolue, mais pas comme vraiment à grands pas, mais elle évolue. C'est pour cela que nous nous sommes dit, nous sommes constants. Ici à Contact Pro Live, nous réfléchissons sur les voies et moyens qui peuvent nous permettre à sortir effectivement. Nous proposons des solutions ici. Contact Pro Live, je ne veux pas vous éloigner de cette ligne de conduite. C'est la réflexion sur la constitution, le sous-bassement, les piliers sur lesquels le Congo est assise. C'est ça. Aujourd'hui, nous aurons à discuter sur l'identification, l'importance de l'identification de la population. Nous allons vraiment décortiquer, nous serons là sur l'importance de l'identification de la population. Et puis, nous allons vous donner maintenant comment est-ce que nous pouvons y arriver. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile, il est facile par contre de dire que non, on peut faire ceci, on peut. Mais comment y arriver? Quels sont les mécanismes pour entamer l'identification de la population qui sera propre? En tout cas, merci encore une fois de plus pour tous ceux qui nous ont rejoints la semaine passée. Nous avons vu nos nombres d'abonnés galoper. Vraiment, je suis très content. Et cela montre l'importance que vous tenez à cette émission. Vous qui nous rejoignez pour la première fois et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie vraiment de vous abonner et de partager. Nous laisser surtout des petits messages et partager ces émissions. Peut-être c'est dès lors que lorsque les personnes partagent, que l'idée va commencer à naître au sein de ceux qui nous dirigent, au sein de ceux-là qui ont le pouvoir en main, qui peuvent se décider à changer les choses. Donc faites-les en tout cas pour vraiment m'encourager à faire d'autres émissions, à continuer à réfléchir. C'est ça votre contribution que j'attends de vous. Donc abonnez-vous et puis partagez, laissez des messages ou m'appelez carrément si j'ai commis quelque chose que vous n'avez pas compris. Comme ça, on en discute. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin, ce lundi sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, l'identification et son importance et ses conséquences. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC procès Mwanga Tchoutchou, qu'est-ce qui se passe? Boutembo, un civil tué par des hommes armés à Rugenda, Nord Kivu, les Ougandais prennent le contrôle des Kiwanja et des Rutshuru. On va sur actualité.cd. Les activités tournent au ralenti à Ouicha, journée deuil décrété après le massacre d'une vingtaine de civils à Moussandaba. Économie à part de Bukavu, Kamerhe promet de travailler avec les dernières énergies pour baisser les taux de dollars. Congo profond, Kinshasa, les prestataires de santé de la maternité de Kitambo sensibilisés sur le droit de la femme à la santé sexuelle et reproductive. Insécurité à Masisi, une personne tuée et 6 autres blessés par les bandits armés à Rubaya. 7 sur 7, procès meurtre de l'ambassadeur italien en RDC, 6 prévenus condamnés à perpétuité.
Et puis Caméré appelé à mettre de l'ordre dans le secteur du petit commerce et des sous-traitances. Et puis jeu de la francophonie, les travaux évoluent au stade de Martyr, mais stagnent à Tata Raphaël, Tshisekedi appelle à plus d'abnégation. On termine par Radio Okapi. Kinshasa, plus de 1000 femmes réfléchissent sur l'implantation d'un réseau de femmes pour la promotion de la santé, de la promotion de la parité, s'il vous plaît. Alors, Bukavu, manifestation de colère, des vacateurs de Sokoka. Kinshasa, le magistrat dénonce la disparition d'un dossier à la cour de cassation. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, en tout cas, merci beaucoup. Donc, nous allons parler sur l'importance de l'identification. Mais je vais commencer par illustrer quelque chose. Tout celui qui quitte le Congo pour aller ailleurs, que vous alliez à Brazzaville, que vous alliez ou quoi que ce soit, ou bien vous allez au Rwanda, ou que vous voulez sortir, dès que vous voulez sortir de notre République démocratique du Congo, officiellement vous devez être identifié. Au départ comme à l'arrivée. De Kinshasa, on va savoir où tu vas puis où kende wapi. La question ya uti wapi olakisi ba document na olobite nga naza congolais nazo kende Afrique du Sud nga naza congolais nazo kende France nga nazo congolais nazo kende Canada. Tango komi na Canada, ce n'est pas à ce moment-là que on va vous enregistrer dans la database des Canadiens. Ce n'est pas à ce moment-là. Vous êtes enregistré lorsque vous allez demander le visa à leur ambassade, vous annonçant que non, je veux aller chez vous. Bandeko. Tout ce que je vous montre là, c'est tout le soubassement de la souveraineté nationale de tout pays. Et là, on a des bandeliabi, on a tout. Otoko kikoloba. Le fait tout simplement de vous identifier au outil wapi, au ke wapi, ezali déjà base ya masolo na biso, na koko sope ya Congo. Regardez ce qui se passe au niveau de l'identification des Congolais. Le Congolais n'est pas identifié. Moi, combien de bana au bazako botama lelo, bazana certificat de naissance, c'était? Et s'ils ont même le certificat de naissance, comment le vérifier? Comment, au moment où nous sommes na période de digitalisation, lelo oyo, ministère intérieur na biso ezo sala malamu te, il ne fonctionne pas. Et c'est ça qui est la base de notre débâcle partout. Tozo la yango peut-être oh mbongo ezate tout ça, oh non les investissements, ça c'est absolument à côté. Nous sommes à côté. Donc l'homme congolais n'est pas identifiable. C'est pour cela que nous ne sommes pas en mesure de nous mettre d'accord. Parce que nous ne sommes pas identifiés. Nous sommes un mélange des gens qui sont là. Regardez une chose. En décembre, on nous dit que nous allons aller aux élections. Mais pour aller aux élections, quelle est l'opération que nous recommençons pendant les trois cycles que nous avions connus, 2006, 2011 et 2018? Qu'est-ce qui nous a fait que tozokende nango automatiquement? Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas automatique? C'est le fait que nous ne sommes pas identifiés. En 2006, on s'est battu encore une fois de plus. Tous identifiés, non, nous donnons d'abord les cartes d'identité aux Congolais. Les Congolais, on se dit non, nous ne voulons pas ça, ça ne sert à rien. Nous allons aux élections, la CENI, nous allons la créer, tout ça. On va identifier et enrôler les électeurs. Et en même temps, ce sont ces cartes d'électeurs qui ont servi de cartes d'identité depuis 2006. Le problème revient encore en 2011. Oh non, parce que nous sommes en train de chasser le naturel. Et voilà comment ça nous revient au galop. En 2018, c'est la même chose. Nous sommes encore en 2023 ici, où nous allons aller aux élections. Nous n'avons toujours pas de carte d'identité. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas combien le peuple congolais est. Nous ne connaissons pas combien nous sommes. Et c'est un problème réel, mes chers amis.
Et le politicien d'aujourd'hui, au lieu de se pencher sur cela, parce que le problème d'identité résout tout dans un pays moderne comme le nôtre. Ça résout beaucoup de problèmes. Ça tait tout. Ça donne l'autorité de l'État sur le peuple congolais. La fois passée, je vous parlais du casier judiciaire. Les crimes commis. What is the importance of the crime record, crime otosalaka. Importance nango zanini. Mutu bakangie et puis on les lave, c'est fini. Il n'a pas de casier judiciaire. À la personne de tous ceux qu'ils ont arrêtés, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont encore rentrer dans l'administration et se proclamer des ministres et tout ça. Pourtant qu'ils avaient des démêlés. Normalement, dans un pays bien développé, vous êtes déjà bloqué. Pour que vous puissiez, votre identité, quand vous allez chercher du travail, on voit déjà les crimes, votre casier judiciaire est déjà violé. Et vous ne pouvez pas accéder à ça. Et l'État met à ce que lorsque vous n'avez plus accès, tout le monde va commencer à avoir peur. Les gens qui ont commis des massacres là-bas, à l'est de la République démocratique du Congo, qui sont cités dans le rapport Mapping, il n'y a pas moyen de les trouver. Mais imagine-toi, si tous les Congolais étaient identifiés, Batunyon Sobaza na carte d'identité, Batunyon Sobaza na numéro d'identification na bango. Crime et salemi, tokoye bako tracé, tokoloba, ah, moutou tel ne moutou aleka ki a. Yangwana bomo na kabatu, so ki crime na ba poto ou bien par-ci par-là, ba équipe investigation et ya kabamsou soubazo zwa ba fingerprint, parce que le peuple est identifié, l'État à la même mise sur chaque citoyen. Et chaque citoyen, il ne peut pas échapper à ce que l'État est. Si vous commettez un crime, vous ne pouvez plus, vous êtes exclu, par exemple, des employés, d'être ministre, d'être... Tout ça. Nous savons ça dans d'autres pays ici. Ce qui commettre kaka crime, même bambo kamususu, ce qui a brûlé kaka babanani ba feu rouge, et que vous arrivez à un certain nombre, vous êtes frappé par des conséquences incalculables sur votre vie. Et c'est pour cela que nous allons avoir peur de l'État. Mais Congolais, qu'est-ce que nous avons peur de l'État? De quoi allons-nous avoir peur de l'État? Quand? Lorsque quelqu'un a volé, lorsque quelqu'un a été démêlé avec la justice, on dit que non, la justice l'a lavé. Il n'y a plus de casier judiciaire, ça n'existe pas. L'État, il peut revenir, il peut encore être ministre, il peut exercer toutes ses fonctions comme d'habitude. Et tout ça, nous gardons, nous disons, voilà, rien ne peut pas se faire, donc rien ne peut être... on prend tout à la légère finalement. Tout est pris à la légère, on ne sait pas exactement. Moutouni, ni soki a sali crime, quelles sont les conséquences? Vous êtes en train de voir le procès de Mwanga Tchoutchou. Une fois sorti, vous allez voir Mwanga Tchoutchou revenir au Parlement. Pourtant, déjà, ce qui vous osa comme. Toko bang la justice, ndengenini. Comment aurons-nous peur de la justice? Les gens, ils vont, ils ressortent, ils commencent à faire cette histoire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tenu compte de cette identification dont il est question, où nous devons gérer la population. L'État, pour avoir son autorité, il faut que les gens puissent être identifiés chez l'État. Et lorsque vous commettez ça et ça et ça, vous êtes frappé par des mesures et nous respectons ça. Mais nous voyons comment est-ce que notre État, nous-mêmes, nous sommes en train de violer ça. On en parle pas, on dit, on voit ça normal, quelqu'un qui a été même à la CPI, à Zongi Naya comme il sous-ministre, Mutuyo Azala qui n'a makala pendant des temps, il y a du désordre bandeko. Le désordre règne et nous devons en prendre conscience. L'identité de la population, elle est un pire.
piliers sur lesquels un pays démocratique moderne doit être assise pour imposer l'autorité de l'État sur toute cette étendue de la République démocratique du Congo. Ce qui identité wana ezako salemate, c'est-à-dire qu'il y aura des conséquences incalculables. Regardez, il y a des peuples qui viennent et qui se déclarent comme Congolais. Parce que nous ne savons pas nous mettre d'accord. Nous ne savons pas qui est Congolais et qui ne l'est pas. Nous n'avons pas fait attention. Voilà les conséquences qui nous arrivent. Nous ne connaissons pas faire des budgétisations tellement. Nous ne connaissons pas qui fait quoi. Nous n'avons pas de record de toute la population. L'État est incontrôlé. Regardez ce qui se passe au ministère des fonctions publiques. Mon cher, il est vraiment incompréhensible qu'un ministère va dire que non, nous allons faire l'identification, bien le contrôle physique des gens qui travaillent au ministère de l'État, donc au ministère de l'Intérieur. C'est que Liaou, je crois, est en train de faire. Je crois que c'est lui. Il va, oh non, nous allons faire les... Ça ne se fait pas. Comment est-ce que vous pouvez avoir beaucoup de gens engagés et vous ne connaissez même pas leur nombre? Vous ne connaissez pas leur nombre. Nombre na bangote, c'est grave. C'est grave. À l'heure actuelle où nous sommes dans un monde où la globalisation et notre pays est le seul où l'identification n'est pas même pas prise en compte. Quelqu'un va aller chercher un passeport sans carte d'identité. Quelqu'un va, il a besoin d'un passeport, il n'a pas de carte d'identité, mais il va avoir son passeport. Nous voyons, il y a quelqu'un là qui va te poser deux ou trois petites questions, on vous dit non, va à l'ANR, paye ça, donne-moi. D'ailleurs, vous ne pouvez même pas aller là-bas, donnez-moi tout simplement, moi-même, je vais faire tout ça. Vous voyez là où nous sommes tombés, à cause de ce problème-là où nous avions négligé depuis 60. Le pays est dans un tourment où il se cherche. Maintenant, mes chers amis, comment allons-nous sortir d'ici? Tokobima wandenge nini? Au moment où nous sommes un pays en guerre, nous sommes menacés à l'est de la République démocratique du Congo, au moment où nous-mêmes nous sommes infiltrés, nous n'avons pas une armée républicaine, au moment où tous les ministères ne fonctionnent pas, nous allons parler des institutions de l'État, je crois, lundi prochain, parce que ça, c'est un autre, le deuxième pilier. Ça, c'est le deuxième pilier dont nous allons parler la semaine prochaine. Les institutions et les hommes. Aujourd'hui, vous aviez compris que nous parlions tout simplement de l'identification. Il y a trois ou quatre piliers sur lesquels un État moderne doit être assise. Et le premier, c'est l'identification. Nous devons nous connaître. Maintenant, nous allons y arriver comment? Dans cette cacophonie dans laquelle nous sommes. Comment est-ce que nous allons y arriver? C'est la solution que nous proposons ici à Contact Pro Live. Nous proposons les états de lieu de chaque territoire. Nous proposons à ce que ces états de lieu vont nous produire le consensus et la réconciliation du peuple congolais au niveau de la base. Mes chers amis, à Bukavu, quelques jours avant, s'est déroulée une conférence de paix et de réconciliation, quelque chose comme ça, où certains députés, certains parlementaires ont participé à cette conférence, où il y a eu de Banyamulenge qui, la conférence s'est terminée en queue de poisson. Pourquoi? Parce qu'il y avait
les gens qui se disaient « Non, nous ne voulons pas, vous, parce que ça... » Il y a eu toutes ces histoires-là. Si vous voulez avoir des informations sur ça, écrivez-moi, je vais vous donner les comptes rendus de ce qui a été. C'est déplorable. Et c'est tout ce que je suis en train de vous dire ici. La solution, elle est là. Mais pourquoi ce genre de conférences n'ont pas de poids? C'est parce qu'elle a été organisée par un ONG extérieur. Un ONG, ce sont donc commandités par l'extérieur. Et on a invité les Congolais d'aller participer, d'aller réfléchir comment rétablir la sécurité, tout ça, à l'est de la République, au sud-sud Kivu. En tout cas, je félicite mes correspondants là-bas et ceux qui m'ont envoyé les résumés de cette conférence. J'étais vraiment très émerveillé. Ils me l'ont envoyé comment ? Parce qu'ils m'ont écouté parler du projet de 145 territoires. Nous ne pouvons pas y aller de cette façon-là. Ça n'a pas d'importance. Même si les gens, les députés qui siègent au Parlement dans le comité de défense et sécurité y étaient présents, ça n'a pas de poids. Ça aura du poids quand ? Ça aura du poids lorsque l'autorité lui sera transmise. Lorsqu'ils vont savoir que non, ce que nous allons décider ici, c'est cela qui va nous prendre pour comme avenir. Nous ne voulons plus avancer. Nous, la solution que nous proposons ici, c'est les états des lieux de chaque territoire. Ce genre de conférences où il y a beaucoup de thématiques qui seront développées doivent être discutées au sein même de la population. Pas choisir les gens. Les gens doivent se choisir en se disant, dans ce territoire de Mwenga, dans ce territoire par exemple de Lubero, quels sont les gens? Invitons ces gens-là, les intellectuels qui peuvent venir s'asseoir en se disant, voilà, nous allons déterminer qui est. Je vais vous donner un exemple. Dans ces conférences-là, dans ces conférences qui s'est déroulée là-bas, il y a eu, il voulait justement essayer un peu de voir pourquoi il y avait des groupes armés et tout ça. Et comme je vous ai toujours dit, ils sont rentrés dans la base. Ils se sont dit, les groupements, quels sont les peuples qui occupent le groupement et leur bami. On a vu que les Banyamulenge, les gens, les Rwandais, ils sont dans des groupements où il y a déjà des bami. Donc, et ils n'ont pas de groupement, et ils n'ont pas de terre. C'est comme ça que je vous ai dit, les conférences, les états des lieux que nous parlons ici pour qu'elles puissent être implémentées, c'est déjà connu. Les gens se connaissent dans les territoires. Les gens connaissent qui est qui dans ces territoires-là. On n'aura pas de problème. Lorsque vous convoquez les chefs de secteur, vous convoquez les chefs de groupement, vous convoquez les administrateurs des territoires, vous convoquez les autorités, les notables de la place. Elles sont connues, nous connaissons tous ces gens-là. Et elles peuvent savoir que c'est dit que non. Ça, ce sont les intellectuels que nous voulons envoyer là-bas pour qu'ils réfléchissent sur les thématiques de la nouvelle constitution. C'est là où nous nous sommes dit. Dès que nous allons constituer des grands rassemblements ou bien des grands meetings, à qui il y aura le pouvoir de réflexion en disant « c'est à vous ». Par exemple, d'identifier la population dans vos territoires. Vous allez voir que le peuple va se soumettre parce qu'ils voudront être identifiés et ils voudront être sérieux. Et tout le monde maintenant va être sérieux en disant, c'est ici où nous allons prendre. Ce n'est pas Kinshasa qui va prendre des décisions. C'est ici où nous allons prendre les décisions pour te donner la carte d'identité. Et nous ne blaguerons pas. Parce que nous allons mettre les structures de contrôle, nous allons mettre les structures d'exécution, nous allons mettre des structures de réflexion. Comment le travail va se faire, comment elle peut être contrôlée au niveau déjà même de la base. C'est comme ça que nous nous sommes dit. Le projet de 145 territoires, selon nous, comment nous l'avons conçu, consistait à mettre justement les populations à la base et que ces forums-là auront le pouvoir d'abord de donner la nationalité ou bien d'identifier la population dans leur
territoire, ils sauront par exemple que non, dans nos territoires, nous avons 4 ou 5 tribus. Et dans ces 5 tribus, au total, nous sommes 5 millions ou bien nous sommes 400 000. Il y a autant de personnes, il y a autant de gens, il y a autant de gens. Ok, comment est-ce que nous pensons que nous pouvons rediriger? C'est là où nous allons voir, nous disons, voilà les choses que nous avons en face de nous et quels sont les profils de quelqu'un qui peut diriger, par exemple, le territoire, notre territoire. Comment est-ce que nous allons placer des gens tout autour de lui pour qu'ils ne puissent pas être maîtres en disant que non, c'est Ezatour Nabiso. Non! Et c'est là où nous devons baser les choses pour que nous puissions voir identité nabiso tozu angondengeni. Et quelqu'un m'a posé la question à savoir combien de temps ça peut prendre, Germain. J'ai dit, nous n'avons pas à courir. On ne se précipite pas lorsque on fait quelque chose de très bien qui durera des millénaires ou bien des années. Nous les réfléchissons pour que nous les taisions une fois pour toutes. Et c'est là que j'ai dit pourquoi toutes ces petites conférences ne réussissent pas. Parce que même les résolutions qu'ils ont eues à obtenir seront garées dans des tiroirs à Kinshasa. Elles seront garées dans les tiroirs à Kinshasa. Ça n'a pas d'importance. Qui va dire que non, ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo, ces conférences-là, nous allons les mettre en exécution. Non! Ils ont été là, ils vont prendre l'air per diem, ils vont, ok, les rapports sont là, nous avions discuté sur ceci, et ceci. C'est une matière, c'est fini. Et puis, c'est pour cela que nous nous sommes dit, les états de lieux que nous allons convoquer, que si Félix vraiment voulait le changement dans ce pays, ces états de lieux devraient être convoqués et puis donner cette perspective aux gens. Cette opportunité de réfléchir sur un nouveau Congo, sur les thématiques qui se trouvent dans la Constitution et revenir avec un titre, un document, un ébauche de cette Constitution, aller les discuter au niveau des provinces et au niveau des provinces venir maintenant au niveau de la capitale où on va harmoniser tous ces textes-là pour produire un texte qui passera au référendum et puis à ce moment-là, lorsque le texte va passer au référendum, nous supposons que déjà l'identification de la population aura déjà terminé et on pourra même commencer maintenant à penser maintenant à faire des fichiers électoraux pour les gens qui ont 18 ans parce qu'on ne peut pas faire voter les enfants et tout. Mais nous saurons quand même le nombre de Congolais, combien nous sommes. Ça va résoudre le problème de l'identification, du contrôle de la population et même maintenant de l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, ce ne sont pas les gens qui ont des armes à la main. Et c'est là le problème que nous sommes en train de nous torpiller. Nous pensons que, par exemple, pour conquérir Bounagana et l'administration là-bas, il faudrait que le phare de ces soit là. Non, même dans l'Ituri là-bas, on pense que le FARDC va résoudre tout ce problème. Ça, c'est un problème éthique, c'est un problème sociologique. Programme que tout le monde se dira, ce n'est pas l'argent qui nous fascine en République démocratique du Congo comme maintenant. Combien est-ce qu'on a? Comment on a vendu ceci? Quels sont les projets? Quels sont les oh non, nous devons faire les routes. Ça ne nous avancera à rien tant que nous ne sommes pas identifiés et nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord sur le projet des sociétés dans lequel nous sommes. Quelqu'un m'a dit que non. Quelles sont les garanties que les tribus vont s'entendre? Ce n'est pas un problème. Les garanties sont là. Les garanties sont là. Nous avons vécu avec des gens qui n'appartenaient pas à notre tribu et que nous mélangeons dans le territoire. Nous vivions déjà depuis. Mais c'est la politique qui a divisé les gens dans les territoires. Mais les peuples hospitaliers, c'est un peuple, lorsque on dit que non, nous allons nous mettre d'accord ou bien accueillir les gens, simplement qu'il faut mettre de l'or et remettre l'autorité de l'État.
de faucher. C'est là où nous échouons. Voilà, mes chers amis, je suis très ravi, en tout cas, à ce que je vous ai dit l'importance maintenant de l'identification et comment nous pouvons l'obtenir. Cette identification-là devra être faite lorsque il y a les états de lieu de chaque territoire, et chaque territoire devra prendre en compte, peut-être former déjà à Kinshasa, et puis quand ils reviennent, ils commencent à aller dans chaque secteur, dans chaque groupement. Et que ces gens qui sont formés à Kinshasa doivent provenir de ces territoires-là. Il faudrait que lorsqu'il y a conférence, il y a par exemple ces états de lieu, les gens puissent être désignés en disant, vous êtes... Tous. Il doit y avoir une certaine administration. Et comment savoir pour contrôler toute la base pour que lorsque nous discutons sur la nouvelle constitution et que déjà le travail de l'identification de la population puisse être déjà lancé et que lorsque nous aurons à faire la mise à jour, l'harmonisation des textes pour une nouvelle constitution, nous aurons déjà terminé le problème d'identification. Et nous aurons déjà terminé comment, lorsque l'enfant naît, où est-ce qu'il faut commencer pour qu'il soit identifié et voir comment est-ce que nous pouvons maîtriser aussi cette rouage, cette problématique de l'identification de la population. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Ce sujet ici, nous allons encore le revenir avec une fois de plus le samedi dans notre émission lorsque nous aurons reçu vos feedbacks. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous avez des questions, posez les questions, laissez des messages ici. Je lis tout. Je lis. Natanga kabilo konyoso botanga botinde la kangai. Et c'est par là que je m'inspire quand j'explique un sujet. Lorsque Namoni, par exemple, qu'il y a ma question, ils ont revenir dans l'émission du samedi, je répète et je fais mon effort en répondant globalement à vos préoccupations ou bien en me justifiant ou soit en demandant pardon si j'ai commis une faute. Voilà. On se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.